Bienvenue à notre deuxième arrêt de la grande tournée des fermes canadiennes. Aujourd'hui, c'est le lancement du 11e anniversaire du mois de la littératie agricole canadienne, une initiative qui encourage les élèves de la maternelle jusqu'à la 12e année ou au Québec en secondaire 5 de les 10 provinces. Puis ça l'aide à découvrir et célébrer l'incroyable histoire de notre agriculture et l'agroalimentaire du Canada. Je m'appelle Mathieu et je suis président d'École aux champs, le membre provincial d'agriculture en classe pour le Québec. Je suis très heureux de participer à l'animation de cette visite aujourd'hui. Donc, nous sommes très, très contents de vous avoir avec nous. Puis, on veut savoir, vous venez de où? S'il vous plaît, dans les commentaires, ajoutez votre école ou même votre ville où vous venez. Donc, simplement juste mettre votre nom et votre école et on va vous faire un petit shout-out. Donc, aussi, c'est important de noter qu'au courant de la visite, vous pouvez aussi ajouter et poser vos questions à n'importe quel moment. Nous répondrons à certaines des questions pendant la visite et vers la fin de la visite, on va avoir une période de questions. D'ailleurs, toutes les visites sont enregistrées et vous pouvez consulter la chaîne YouTube d'Agriculture en classe après la diffusion en direct. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de nous joindre pour toutes les visites, on n'a pas besoin de s'inquiéter, comme toutes les autres vidéos seront téléchargées après le visionnement en direct. Donc, aussi, j'aimerais prendre un petit moment de dire qu'on a une invitée très spéciale qui se joint à nous aujourd'hui, Madame Julie Bissonnette, présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec, productrice laitière, en direct de l'Avenir Québec. Merci de vous joindre à nous, Julie. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je suis très contente d'être parmi vous ce matin. Donc Mathieu l'a dit, moi c'est Julie Bissonnette. On a des vaches laitières à la ferme, fait que je m'occupe des animaux. Puis en plus, je suis présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec. Qu'est-ce que ça fait? On représente les jeunes entre 16 et 39 ans qui sont passionnés de l'agriculture pour améliorer leur quotidien, si on veut. Fait que la FRAC, la Fédération de la relève agricole du Québec, fait partie aussi de la table pan-canadienne de la relève agricole au niveau national, au niveau du Canada. Fait que je suis aussi vice-présidente au niveau du Canada. Donc, bonjour à tous et bienvenue parmi nous ce matin pour la visite. Donc, on va passer à la présentation de notre invitée encore plus spéciale, la productrice qu'on va rencontrer aujourd'hui. Donc, il s'agit de Bianca. Donc, vite, Bianca a fait un certificat en administration des affaires et études libres en microbiologie alimentaire à l'Université Laval au Québec. Et ensuite de ça, elle a fait un DEP en production acéricole au Centre de formation agricole de Saint-Anselme et des stages en entreprise. Fait qu'en 2014, ils ont acheté leur terre pour faire du sirop d'érable. Puis en 2018, ils ont obtenu le contingent pour faire du sirop d'érable encore. Fait que je vais laisser Bianca se présenter. Merci premièrement Bianca. Puis si tu veux nous parler aussi de te présenter là, ta famille et tout, on t'écoute. Ben oui, merci Julie. Écoute, moi, je suis copropriétaire de l'entreprise Érablière Pagé Savard et Filles que j'ai fondée avec mon conjoint. Comme tu le disais, en 2018, on a obtenu du contingent. Mais on a parti ça de zéro, en fait. Là. On a acheté effectivement la terre qui avait un potentiel d'érablière, puis on a bâti la cabane, on a posé nous-mêmes les installations. Bref, on est parti de zéro, puis c'est ça, on est bien, bien contents. Merveilleux. Bianca, on a très hâte que tu nous parles de la production de sirop d'érable aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voulais partager avec tous nos participants quelques éléments passionnants de la grande tournée des fermes canadiennes. Donc, l'équipe d'agriculture en classe Canada est heureuse de fournir le cahier d'activité de la grande tournée des fermes canadiennes qui, pour les enseignants et les parents qui ont déjà reçu et peuvent télécharger et imprimer à partir du lien que vous avez reçu par courriel. Ils peuvent aussi le trouver sur le site web d'Agriculture en classe Canada parce qu'à chaque visite virtuelle, il y a une page qui correspond au cahier d'activité pour les visites et qui contient des activités amusantes à réaliser par les élèves.
Donc, pendant les visites, il y aura trois pauses d'apprentissage, deux creuses méninges, dont vous allez trouver la réponse à certaines questions dans du creuse méninges, dans le cahier d'activité et une carrière en vedette. Donc, la dernière page du cahier est aussi un passeport de la grande tournée des fermes canadiennes. N'oubliez pas d'apporter votre passeport à toutes les visites. Donc, à chaque visite, on va avoir un mot mystère qui va apparaître à l'écran, comme que vous voyez ici. Et nous allons avoir un moment pour être capable d'ajouter cette phrase secrète en bas de la page. Vous allez découvrir la phrase mystère parce que chaque visite, on va compiler ensemble. Donc, et enfin, nous avons le plaisir d'organiser un concours pendant la grande tournée des fermes canadiennes. Donc, nous encourageons les enseignants et les parents de prendre des photos de leurs élèves en train de participer aux visites, de travailler sur leur cahier d'activité ou de nous montrer le passeport dans lequel ils ont inscrit la phrase mystère. Puis vous pouvez également publier les photos sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag déjà à l'écran. Vous aurez donc la possibilité de gagner un prix pour votre classe. Super, fait qu'on commence la visite, le moment tant attendu. Donc, Bianca, peux-tu nous expliquer où que tu es en ce moment? Bien, en ce moment, je suis en plein cœur du bois, en plein cœur de mon érablière, dans le fond, là où tout commence. La première étape de production de sirop, c'est ici que ça se passe. C'est merveilleux, puis on récolte. Du sirop, de la sève, c'est nous autres, quand on est dans une érablière, on va récolter quoi? C'est pourquoi qu'il y a toute cette tubulure? En fait, effectivement, il y a de la tubulure ici qui passe d'un arbre à l'autre. Il y a même ici un petit chalumeau. On perce un trou dans l'érable, ce qu'on appelle un entaille. Puis on récolte l'eau d'érable. Puis la particularité de l'eau d'érable, de la sève d'érable, en fait, elle est sucrée. Puis c'est à partir de ça qu'on va pouvoir tantôt continuer la visite puis expliquer comment on produit le sirop. Puis Bianca, est-ce que tu pourrais nous dire combien d'érables que tu as, que tu récoltes du sirop ou comment que on fait ça? Bien, en fait, nous, on ne le calcule pas tout à fait en nombre d'érables, mais plutôt, pardon, en nombre d'entailles, comme je disais tantôt, le nombre de trous, parce qu'il y a certains érables où on peut faire deux entailles. Donc, ici, on a 4000 entailles. Merveilleux. Puis, tu es dans l'érablière actuellement. Est-ce que c'est le temps de l'année pour commencer à préparer la récolte de l'eau d'érable? Est-ce que tu pourrais nous dire c'est à quel moment que tu es dans l'érablière? Bien, en fait, moi, j'ai déjà commencé, comme tu peux voir, Mathieu, là, il y a déjà des entailles de fait. Donc, ça fait déjà au moins un mois que je me prépare parce que, comme aujourd'hui, il fait moins 15, mais la semaine prochaine, il annonce un 2 degrés. Donc, à partir du moment où la température monte au-dessus de zéro, bien, c'est là que l'eau d'érable qui se trouve dans l'érable est dégèle, puis c'est là qu'on peut commencer à collecter la sève. Donc, environ à la mi-mars, ce qui donne, nous, c'est la semaine prochaine, là, ça devrait commencer. C'est merveilleux. Puis tu disais qu'il y a 4000 entailles. Est-ce que tu dois percer les trous chaque année? Est-ce que tu peux laisser le chalumeau dans le même trou à l'année longue pour récolter? Non, en fait, je dois effectivement entailler chaque année, chaque érable, chaque entaille. Je dois aussi le désentailler à la fin de la saison parce qu'il y a un processus dans l'arbre qui permet au trou de se refermer. Donc, si je laissais le chalumeau dans l'entaille, on le perdrait, là. Merveilleux. Puis, on se voit dans la... Puis, on peut récolter, en fait, l'eau d'érable à quel moment de l'année? C'est quoi la particularité de l'environnement qui permet de produire de l'eau d'érable? Ça se passe environ sur le 5-6 semaines, là, je dirais. C'est sûr que ça varie d'une année à l'autre, mais c'est au moment de l'année où souvent il y a un gel la nuit, il y a un dégel le jour. Donc, au mois de mars-avril, là, quand on est entre l'hiver et le vrai printemps, en fait, l'été même qui s'en vient, la grosse chaleur. Quand les grosses chaleurs arrivent, là,
L'érable se réveille réellement, il y a des bourgeons dans l'herbe, la sève change de contenu. En fait, là, le sucre est transformé pour être utilisé pour créer les feuilles, les bourgeons et tout ça. Donc, ça se passe réellement sur 5 semaines, entre le gel et le dégel. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Ben oui, c'est super excitant. Fait que ça veut dire que faut y faire un peu froid le soir, un peu plus chaud le jour avec le soleil et tout ça. Puis l'eau d'érable va monter dans l'arbre pour être capable d'aller au chalumeau. Puis si je me trompe pas, Bianca, tu as un petit bout de chemin à faire pour nous montrer l'eau d'érable va où? Puis, qu'est-ce que tu fais avec ça? Fait que nous autres, on va te laisser faire un petit bout de chemin. Je pense que t'as un 4 roues qui se trouve à être là pour te rendre à la cabane parce qu'il y a un petit bout de chemin. Donc, on te laisse te mettre en route puis on se voit dans quelques instants. Parfait. Super. Okay, donc, nous autres, on trouve ça vraiment intéressant de voir l'érablière. Pendant que Bianca conduit, on va regarder une courte vidéo de sa propriété qui a été filmée par un drone. Donc, on se voit à bientôt. J'espère que ta route s'est bien passée. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant où tu es rendue? Eh oui, je suis rendue à la cabane, mais attends un petit peu, là, j'ai un petit peu de difficulté avec, avec le stabilisateur qui ne veut pas reprendre. Je m'excuse. Pas donner mal au cœur à personne. C'est correct, si je ne me trompe pas, bien qu'on va se diriger dans quelques instants pour aller voir l'osmose inversée. Exactement. Donc, on va se placer arrive, la caméra. Mais... Je sais un petit peu là le mode.
Fait que si vous voyez juste en arrière de Bianca, on a de la tublure qui est à l'écran. Ça vient de l'érablière direct pour faire un petit bout de chemin, à peu près 2 minutes de route par quatre roues. Donc, c'est pour ça que Bianca se place dans la première place où l'eau d'érable rentre dans la cabane. Donc, Bianca, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus. On est rendu où? Est-ce que le stabilisateur fonctionne un peu ou... Je suis obligée de le tenir pour l'instant, mais on peut au moins faire cette partie-ci Ben oui, ben oui. en le tenant, là, il n'y a pas de problème. Oui, effectivement, on est rendu à l'osmose inverse, dans le fond, qui sert parce qu'il y a deux façons de concentrer l'eau, la sève d'érable qui est très peu sucrée, en fait, à la base. On peut soit le faire par évaporation ou soit le faire par filtration. Bref, ça ici, c'est des membranes qui servent à filtrer l'eau d'érable pour en retenir une partie beaucoup plus concentrée, dans le fond. Merveilleux. Puis l'eau d'érable à la base, ça a quel pourcentage de sucre? Ça varie légèrement, mais en moyenne, c'est un 2% de sucre, dans le fond. OK. Puis avec l'osmose inversée, si je ne me trompe pas, on va retirer un peu d'eau pour être capable d'augmenter le pourcentage de sucre d'érable qui se trouve dans l'eau. Fait qu'on va aller du 15 à du 20%, si je ne me trompe pas, avec cette machine-là. Donc, ça va Exactement. prendre moins de temps à faire du sirop d'érable. Oui, tu sais, dans le fond, c'est à ça que ça sert, là. C'est parce que bouillir, c'est quand même, ça peut être assez laborieux, ça prend du bois, ça prend du temps, alors qu'avec les membranes, maintenant, on sauve, on élimine à peu près 80% de l'eau, donc c'est beaucoup moins long, là, bouillir le sirop. Mais c'est merveilleux. Fait que on va déjà demander aux élèves de préparer leur cahier d'activité pour être capable de voir le premier creuse-méninge. Donc, on se voit dans quelques instants. Pause creuse-méninge. Saviez-vous que le seul ingrédient utilisé pour fabriquer le sirop d'érable est la sève des érables? Merci de vous avoir creusé les méninges avec nous. Donc, j'espère que vous avez mis la bonne réponse dans votre cahier. Dans le fond, Bianca nous en avait parlé tantôt là, que la sève des érables allait dans la tubulure puis se rendait justement à l'osmose et à l'évaporateur. Fait qu'on a vu la réponse en vrai tantôt. Fait que j'espère que vous avez pris le temps de bien la noter. Donc, Bianca, j'ai remarqué que tu t'étais déjà déplacée. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il y a en arrière de toi, s'il te plaît? C'est le fameux évaporateur, dans le fond. C'est là qu'on vient faire bouillir la sève d'érable, ou plutôt le concentrer, là, parce qu'on a réussi avec l'osmose à concentrer notre eau, là. Puis je peux vous montrer aussi, là, la petite, ici, là, parce que nous, on a un évaporateur au bois, dans le fond. Fait qu'ici, là, c'est la partie où on fait notre feu. C'est très, très gros, là. D'après moi, je rentre là, dans cette partie-là. Fait que c'est un gros feu que ça prend pour faire bouillir la sève d'érable. Fait que généralement, dans l'eau d'érable, ça prend quel ratio d'eau d'érable pour avoir à peu près 1 litre de sirop d'érable en termes de ratio? Encore une fois, ça peut varier, mais on dit qu'en moyenne, c'est 40 fois la quantité d'eau qu'on a besoin. Donc, si on veut une canne de sirop, ça a pris 40 cannes de sève d'érable pour réussir à faire une seule canne de sirop d'érable. Wow, c'est impressionnant. Puis on voit en arrière de toi, c'est une grosse machine. On va bouillir. Tu as dit que ça prend à peu près 5 à 6 semaines pour faire toute ta production de l'année. Dans ton érablière, tu produis combien de cannes de sirop ou de gallons et tout ça? En fait, là, nous, on le calcule souvent en quantité de barils, là. Ça, ici, c'est des barils. On peut faire à peu près, avec notre érablière présentement, une trentaine de barils. Puis un baril, là,
Dans le fond, pour vous donner une image, là, c'est 275 cannes comme ça. Donc, ça en fait des cannes. C'est vraiment impressionnant. Puis, je veux juste faire un petit rappel aux gens que si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre les questions dans les commentaires plus bas. Vous êtes en mesure de demander des questions. Puis, vers la fin, lors de notre période de questions, on va être capable de demander à Bianca pour toutes les questions. Donc, on va passer à notre deuxième creuse-méninge. Donc, on se voit dans quelques instants. Pause creuse-méninge. Saviez-vous que il existe plus de 150 espèces d'érables dans le monde, mais seulement deux espèces produisent de la sève qui peut être transformée en sirop d'érable. Ces arbres sont l'érable à sucre et l'érable rouge. Merci de vous avoir creusé les méninges avec nous. J'espère que vous avez noté la réponse au dernier creuse-méninge. Maintenant, c'est important de noter qu'au Québec, on a des érables qui sont capables de produire de la sève qui nous permet de aussi faire du sirop d'érable. Oh, d'ailleurs, c'est maintenant le moment du mot mystère qu'on voit ici à l'écran. Donc, c'est le « sortez vos cahiers » puis vous êtes capable de mettre le mot « passionnante ». Donc, à côté du Québec, sur votre passeport et ajoutez ce mot au message caché de la page. Donc, Bianca, maintenant que nous savons d'où vient la sève et comment qu'on fabrique le sirop d'érable, peut-on voir quelques produits que l'on fait avec le sirop d'érable? Ben là, justement, je suis en train de me sucer le bec. Là. Je mange de la tire d'érable. Je ne sais pas si c'est un produit qu'on connaît à travers le Canada, là, mais je pense qu'au Québec, tout le monde connaît ça. Oh, wow! C'est vraiment bon. Puis ça, c'est tout fait avec ton sirop d'érable, de ton érablière, des 4000 entailles qu'on a vues tout à l'heure. Oui. Dans le fond, là, c'est tout simple à faire. Là. On fait évaporer encore plus le sirop d'érable. Il devient plus concentré, tout simplement. Puis c'est ça qui donne la texture à la tire, mais c'est uniquement fait à partir de sirop d'érable. C'est merveilleux. Puis, je pense qu'on vient juste de mettre à l'écran des produits, les grades de sirop. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi qu'il y a des différents grades de sirop? Il y en a quatre. Pourquoi qu'il y en a quatre qui sont différents? En fait, ça, c'est uniquement au niveau des grades de sirop. Là, on classe en fonction de la couleur. Il y a plusieurs éléments qui viennent faire changer la couleur du sirop. Entre autres, nous, avec notre évaporateur au bois, exemple, on a une chaleur très intense. On fait bouillir plus longtemps. C'est ce qui fait qu'il y a un peu plus de développement de saveur. Ça va aller chercher une couleur un petit peu plus foncée. Mais c'est ça, il y a quatre grades de couleur, mais il y a tellement de grades de goût aussi. Là. Il y a toutes sortes de saveurs. Parfois, on va chercher une saveur un peu plus vanillée. Parfois, on a des défauts de saveur aussi. Là, en début de saison, parfois, on a un petit goût de bois qui va être décelé dans le sirop. Fait que faut être très attentif. Là, puis, je dois goûter beaucoup de sirop, dans le fond. Là. À chaque journée de production, je m'assure du contrôle de qualité. Je fais aussi goûter mes filles, qui sont des testeuses professionnelles. Ils me donnent leur avis, mais je pense qu'ils sont un peu biaisés, là, mais ils nous disent tout le temps que c'est le meilleur sirop. Mais je pense que l'environnement a un grand impact sur aussi le goût, dépendamment de où on est et tout ça. Julie, t'aurais-tu d'autres idées de quelle sorte de choses dans notre environnement qui pourraient changer le goût? Bonne question. C'est sûr que tout ce que Bianca vient d'énumérer déjà en partant, rien que les manières de produire, la chaleur aussi. Tu sais, des fois, la saison est courte, fait que ça aussi, ça peut aller rapidement. Le goût passe rapidement, change rapidement. Fait que tout est, comme Bianca a dit au début, chaque
pratique, chaque manière de le faire, c'est, ça fait un goût différent aussi, là. Merveilleux. Puis on a aussi l'emplacement au Québec qui pourrait être un endroit différent, qui pourrait changer le goût, bien que les rabières, votre rabière familiale, elle se trouve à être placée où au Québec? Elle se trouve en Mauricie, à Saint-Alexis-des-Monts plus précisément. Ça se trouve être plus à l'est de Montréal. Super. Fait que dans le sens que si on regarde une map, on est un peu plus au nord. Fait qu'on voit beaucoup de neige et tout ça. Fait que des fois, la saison de sirop pour produire tes beaux produits d'érable va être différente que le sud du Québec. Puis ça va être une saison un peu variée. Puis aussi, le sol et tout ça pourrait aussi changer tout le goût de ton produit de sirop d'érable. Oui, effectivement. Ah, c'est super cool. Est-ce que tu pourrais peut-être nous montrer les autres produits que tu as en arrière de toi avant qu'on continue notre belle visite? Bien, j'ai du sirop d'érable, évidemment. Il y en a en canne, il y en a en bouteille de verre. Il y a toutes sortes de bouteilles. J'ai dit la tire tout à l'heure. Là, j'en ai pas présentement, mais j'ai du beurre d'érable aussi, là, qui est un peu moins concentré que de la tire d'érable, mais c'est brassé, donc c'est un petit peu plus granuleux, mais ça se met super bien sur des toasts. Moi, personnellement, c'est mon produit préféré. Puis, j'ai aussi du sucre d'érable. Ouh! Puis, Julie, est-ce que toi, tu cuisines avec du sirop d'érable? Tu consommes-tu du sirop d'érable dans ta journée? Ou dans ton... moi aussi, le beurre d'érable, là, c'est pas mal mon préféré. Mais aussi les crêpes là, le samedi matin avec du sirop, là, c'est dur à battre. Ah, c'est merveilleux, mais tu sais, mettre du beurre d'érable là, sur des toasts le matin, là, c'est tellement goûteux. C'est pratiquement un bonbon dans la bouche. C'est tellement excitant. Donc, vous pouvez mettre aussi votre produit de choix, si vous avez déjà goûté au sirop d'érable, dans les commentaires pour qu'on puisse voir votre choix culinaire. On retrouve le sirop d'érable dans plusieurs recettes. On peut le manger avec du tofu, on peut le mettre dans une sauce à spaghetti. On peut remplacer du sucre blanc avec du sirop d'érable dans toutes les recettes, dont le sucre d'érable que Bianca nous a montré. C'est vraiment intéressant de parler de tous nos produits d'érable et comment qu'on peut les faire vivre dans notre cuisine. Parfait. Fait que pour poursuivre notre visite, Bianca, ben c'est pas la visite, mais c'est plus au niveau de Bianca. Pourquoi tu es devenue productrice à Acéricole? Qu'est-ce qui t'a tenté? Qu'est-ce qui ton cheminement? Là, pourquoi tu as décidé de faire ça dans la vie? Oui, mais en fait, ça m'a pris quelques années là, avant de découvrir ce métier-là parce que c'est pas mes parents n'étaient pas du tout du milieu agricole. Mais je cherchais définitivement un métier de rêve. Puis c'est la production de sirop d'érable qui est venue combler cet aspect-là. C'est en fait, c'est que tu as le côté entrepreneur qui vient le côté relever des défis, le côté tellement varié, les tâches sont tellement variées. Une journée, je fais de la comptabilité, une autre journée, je suis dans le bois, une autre journée, je vais livrer du sirop. Mais je dirais que la principale raison, là, c'est que je suis une fille qui aime ça bouger. Puis vous avez vu tantôt, j'étais dans mon érablière, mais j'en passe beaucoup des journées dehors, dans l'érablière. Beau temps, mauvais temps, mais j'aime ça me dépenser en énergie. Fait que c'est vraiment ce côté-là, là, plein air, puis bouger qui m'a attirée là, dans ce métier-là. Super. Puis justement, tu en parlais au début que c'était 5-6 semaines de gros temps, mais après ça, là, tu viens de parler de la comptabilité. Dans le restant de l'année, comment que là, on voit que tu mets du bois dans le poêle aussi, fait que il y a du bois à faire. Là, j'imagine l'entretien de l'érablière quand les arbres cassent ou peu importe. Mais à part de ça, ta planification, mettons, de l'année, comment que ça se déroule? C'est vrai que souvent, on associe cabane à sucre à une certaine période de l'année, mais oui, moi, comme je dis, ça fait au moins un mois et demi que j'entaille, que je prépare la saison, je fais des petites réparations, j'en ai fait cet automne aussi. Aussi, effectivement, on fait du bois, donc on bûche, on transporte le bois.
Ensuite de ça, il y a tout le côté transformation. Puis là, moi, je fournis des épiceries, pardon. Donc, il faut que je fasse la transformation un peu toute l'année. C'est ça, il y a le côté comptabilité, comme tu l'as mentionné. Il y a le côté médias sociaux. Il y a le côté... Honnêtement, ça vient toucher vraiment beaucoup de domaines. C'est super intéressant. C'est ça aussi la beauté de l'agriculture, là. C'est toujours on fait plein de choses en étant agriculteur et acériculteur. Puis aussi, une dernière question à propos, tu es une femme en agriculture, là. Comment tu vois ça? Est-ce qu'il y a des défis? Quel message aussi tu peux lancer? On pense souvent que c'est des hommes en agriculture, là, mais on a la belle preuve que t'en fais partie. Fait que t'as-tu un message ou comment tu vois ça, là? Ben, deux points. Effectivement, on pense quand même encore beaucoup qu'il y a plus d'hommes en agriculture. C'est un peu le cas, mais il y a beaucoup plus de femmes qu'on le croit. Mais le point aussi important que j'aimerais dire, c'est que j'étais pas du milieu agricole du tout. Fait que je trouve que c'est quand même important de le mentionner, que ça s'apprend, puis qu'on n'est pas obligé d'avoir une entreprise léguée de nos parents pour se lancer dans ce domaine-là qui est super, super intéressant. Mais oui, il y a certains défis. Ça m'a un peu surprise parce que je pensais qu'on était rendu ailleurs. Mais oui, ça m'a quand même un peu surprise qu'il y ait certains préjugés ou. Et personne n'a été méchant là, envers moi, mais ils sont souvent plus portés à aller discuter avec mon conjoint. Puis là, je dis non, c'est moi la principale propriétaire de cette entreprise. Fait que, il y a eu ce petit côté-là qui m'a un peu surprise. Puis aussi l'aspect maman, là, mais ça c'est d'autres choses, là. Hey, c'est super, puis il existe tellement de belles carrières en agriculture, de nombreuses carrières passionnantes dans le secteur agricole, puis on va aller maintenant regarder la carrière en vedette, donc découvrons-le ensemble. La carrière en vedette, présentée par Pensée Agri. Les développeurs de produits alimentaires et de boissons créent de nouveaux produits alimentaires et de nouvelles boissons. Qu'est-ce que fait un développeur de produits alimentaires et de boissons? Je crée et j'améliore des produits en me concentrant sur le goût, la texture et l'apparence. J'organise des sondages pour m'assurer que le public apprécie les aliments que nous créons. J'identifie les problèmes potentiels liés à un aliment et je trouve des moyens de les résoudre. Merci de vous être joints à nous. Parfait, fait que c'est le moment des questions. Est-ce que c'est comme Mathieu l'a dit tantôt, vous pouvez mettre les questions dans le chat, dans les commentaires à côté. Oh, on en a une première. Pourquoi utilisez-vous du bois pour chauffer la machine? C'est une très bonne question, en fait, parce que oui, on a plusieurs options. Il n'y a pas seulement le bois, il y a l'électricité maintenant, il y a aussi l'huile, un chauffage à l'huile. Il y a même maintenant les granules, mais en fait, nous, on a choisi le bois parce que ça apporte une chaleur plus intense et aussi variable. Parce que, tu sais, évidemment, là, de temps en temps, il faut rajouter du bois. Fait que là, la chaleur avait baissé légèrement. Ça étire un petit peu le temps de bouillage. Mais ça, ici, ça vient changer le goût. Un peu comme quand on fait une sauce à spaghetti, là, plus on la fait mijoter longtemps, là, ben, il y a des saveurs qui viennent s'ajouter. Fait que nous, c'est spécifiquement pour ça qu'on est allé vers un évaporateur au bois. Est-ce que Bianca, tu pourrais nous dire quel autre type de chauffage existe dans d'autres érablières du Québec, autre que le bois, qui avait été peut-être d'autres options pour toi pour chauffer quand tu as regardé l'installation à choisir? Oui, ben dans le fond, je l'ai un petit peu mentionné tantôt, là, mais il y a l'électricité qui est une chaleur, c'est très, très économique, c'est aussi très écologique. Également, mais c'est la chaleur est très, très douce. Sinon, il y a un chauffage à l'huile, puis il y a aussi le chauffage aux granules, dans le fond, des granules de bois. Fait que ça vient un petit peu rejoindre le chauffage au bois, mais ça reste une chaleur très stable. Puis si je me trompe pas, le bois, c'est un peu du recyclage que tu fais. Tu prends le bois de ton érablière dont tu as besoin de faire de l'entretien pour essayer de donner de l'espace à tes érables pour respirer, puis avoir de l'espace pour grandir. Est-ce que c'est le cas?
Exactement, oui, c'est important de faire de l'aménagement dans notre forêt, puis il y a des arbres qui tombent naturellement aussi en fin de vie. Fait que oui, on va récupérer ce bois-là. Fait que même quelqu'un qui n'a pas un évaporateur au bois doit faire un certain ménage dans son érablière. Ah, c'est merveilleux. Puis est-ce que tu as de l'aide pour l'érablière pour faire les choix des arbres et de l'entretien et tout ça pour être en mesure de choisir les bons arbres à couper? Oui, en fait, il y a des ingénieurs forestiers ou des techniciens forestiers qui ont étudié l'aménagement des forêts, là, puis, fait qu'il y a plusieurs conseillers spécialisés qui peuvent venir nous conseiller au niveau de l'aménagement forestier. Parfait. Prochaine question. C'est quoi un contingent? Un contingent, c'est un peu comme un quota qui est un peu un vocabulaire peut-être un petit peu plus connu, mais c'est une réglementation, dans le fond, qui oblige un producteur à produire un maximum, une certaine quantité maximum qu'on a le droit de vendre en barils, les barils que je vous ai montrés tout à l'heure. Parce que c'est pas toute la production, contrairement au lait, c'est pas toute la production qui est contingentée. Moi, j'ai le droit de produire plus que mon contingent, mais cette production-là, je dois la vendre par moi-même directement à mes amis, aux personnes qui viennent directement à la cabane. C'est merveilleux. Puis, on a une autre question. Bianca, est-ce que tu as un autre emploi l'été? Non, pas moi. En fait, c'est entre autres parce que j'ai des enfants. Donc, je suis maman à la maison. C'est un peu mon métier d'été. Puis, on vise aussi à grandir. Dans le fond, l'an prochain, on devrait installer un 2000 entailles supplémentaires. Donc, ça nous oblige à mettre beaucoup de temps encore dans notre érablière. Puis, il y a beaucoup de personnes qui ont des plus grosses érablières qui ont que ça comme emploi. Moi, à 4000 entailles, souvent, j'aurais pu avoir un autre emploi effectivement l'été, là, mais ce n'est pas mon cas pour les raisons que je viens de nommer. Mais c'est pour ça que l'érablière porte le nom et fille qui la relève indirectement la prochaine génération qui sont déjà des goûteurs de sirop expérimentés. Il y avait une autre petite question avant de continuer notre visite. C'est est-ce que vous travaillez les nuits pendant les sucres? On essaie de pas travailler la nuit, mais ça arrive effectivement qu'on se fait surprendre par des coulées phénoménales. Donc là, les bassins de sève se remplissent, puis on n'a pas le choix, là, faut bouillir maintenant. Mais grâce à l'osmose, souvent, on est capable de faire bouillir une certaine quantité de temps, on est capable de contrôler plus ou moins notre horaire, mais on a toujours des surprises, là, pas plus tard que l'année dernière. C'est arrivé souvent qu'on a bouilli la nuit. Ah, c'est merveilleux. Puis on va checker si on a une dernière question dans les commentaires. En fait, on a une question en anglais. Ça demande si on peut avoir des érables au Saskatchewan. Je ne sais pas si tu pourrais nous répondre avec ça. En fait, ça fonctionne surtout avec, ça dépend à quelle hauteur en Saskatchewan il se trouve, mais à mes connaissances, à moi, il n'y en a pas d'érable en Saskatchewan. Parce que si moi je me trompe pas, au Québec, c'est pas toute la province du sud au nord qui peut produire du sirop d'érable. Non, effectivement, là, à partir du sud, évidemment, il y en a, mais moi, je me trouve relativement au nord, là, puis je suis pas mal dans les dernières érablières, là, parce qu'à un moment donné, on arrive, puis il y a trop de neige, je sais pas, les conditions sont pas favorables à la croissance des érables. On va passer à une dernière question. Combien d'années un arbre peut-il donner de la sève? Je ramènerai la question à partir de sa naissance, ça va prendre un 40-50 ans avant que l'érable puisse donner de la sève parce qu'il va être trop petit, là. Autrement dit, il va avoir de la sève, mais on l'enterrera pas. Mais ensuite de ça, un érable, ça peut vivre 2 à 300 ans, là. Fait que tout le reste de sa durée de vie, l'érable peut donner du sirop.
De la sève, en fait. Fait que des petits érables que toi actuellement, ça va être tes filles qui vont être capables de l'entailler et voir récolter la sève de cet érable-là. Mais oui, si elles le veulent bien, on les obligera pas, mais oui, si elles veulent prendre la relève, ça va nous faire plaisir. Ah, c'est super. Super, fait que ça termine la période de questions. Désolée, s'il y avait d'autres questions, c'était le temps qu'on avait. Fait que merci beaucoup, Bianca, pour la visite. Vraiment, je pense qu'on a des beaux commentaires. Tout le monde a apprécié. Ça a été très concret. On a vraiment vu ton endroit de travail, là, vraiment où que tu passes tes journées. Puis les prochaines semaines, tu vas passer beaucoup d'heures là-bas. Fait que merci beaucoup pour ton temps ce matin. Puis vraiment une belle présentation. Merci. Oui, beaucoup d'heures, puis peut-être des nuits éventuellement, mais merci de l'invitation, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Puis, merci aussi, Julie, pour avoir été la co-animatrice de feu, avoir répondu à plein de questions, parce que le sirop, on peut cuisiner avec, on peut le faire vivre dans n'importe quelle, des maisons. C'est vraiment, vraiment excitant. Merci pour avoir participé, Julie. Merci beaucoup, Mathieu, merci tout le monde. Merci de vous être joint à notre deuxième visite, deuxième arrêt de la grande tournée des fermes canadiennes. Il s'agissait de la deuxième d'une série de 11. Il nous en reste encore 9. La prochaine visite aura lieu le 3 mars et nous allons se rendre jusqu'à Terre-Neuve et Labrador pour visiter un élevage de vers pour apprendre à faire du vermicompost. Cette visite se fera en anglais. Donc, pour finir, n'oubliez pas qu'il y a un concours sur les réseaux sociaux. Les enseignants peuvent publier des photos de la classe, de leur classe qui participe à la grande tournée des fermes canadiennes avec le hashtag qui est à l'écran. Donc, pour gagner un prix pour votre classe. Donc, nous espérons également que vous allez utiliser le cahier d'activité et le passeport pour être capable de partager et de voir toutes les différents arrêts. Puis j'espère que vous avez ajouté le mot mystère pour la phrase. Et si vous l'avez manqué, juste consultez nos réseaux sociaux pour le trouver. Ces visites sont toutes enregistrées et vous pouvez également consulter notre page YouTube. Les visites seront également dans les deux langues officielles, soit le français et l'anglais. Nous avons hâte de vous voir à Terre-Neuve et Labrador. Merci et bonne journée.